Prenez le temps de vous installer confortablement. Peut-être allongé dans votre lit ou sur un tapis de yoga. Ou alors dans une assise confortable, les pieds ancrés dans le sol. Fermez les yeux et prenez le temps de ressentir votre respiration, de la placer, de sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration, puis qui revient en place à l'expiration. Ralentissez le rythme de votre inspire. Approfondissez le temps de l'expiration. Puis peu à peu, sentez tout le corps qui pèse de plus en plus lourd vers le sol. Tous les muscles se décontractent, se détendent, et par ce simple effet, le corps devient de plus en plus lourd, profondément ancré dans la terre, par le bassin, les talons, et peut-être votre crâne sur le sol. Prenez votre temps pour que des orteils jusqu'au sommet du crâne, le corps se dénoue, se délie et se dépose. L'énergie du renouveau demande à embrasser celle de la transmutation, de la transformation, de l'alchimisation de notre être, de notre passé et de nos ombres, vers quelque chose de plus léger,
C'est comme tourner la lourde page que nous venons d'écrire pour retrouver une page vierge, pleine de bonnes intentions. Pour contacter cette énergie, il faut pouvoir s'écouter, se regarder en face, sans masque, sans phare. Accepter de laisser partir, de laisser s'échapper quelque chose en nous. Ou alors décider de l'accepter pleinement, de ne plus lutter contre cette ombre, ce défaut, cette culpabilité. Pour tourner la page, il faut abandonner toute la rancœur, la colère, la culpabilité face à nous-mêmes et à notre histoire. Laissez ces sensations, ces sentiments tomber au sol, de même que le corps se relâche. Ces émotions vous traversent peut-être face à un souvenir qu'il vous faut pacifier, transformer. Relâchez toute la tristesse, la culpabilité, la honte, les souvenirs douloureux. Vous pouvez vous aider en visualisant une eau purificatrice qui vient laver tout le corps de ces émotions lourdes et pesantes après les avoir reconnues. Comme une douche, vous ressentez chaque cellule d'eau purificatrice du sommet du crâne et qui glisse jusqu'au bout des orteils et tout le long du corps. Et à chaque goutte d'eau qui vient ruisseler sur le corps, qui vient nettoyer les émotions, vous vous percevez d'une manière différente. Vous portez un regard plus juste ou tout simplement nouveau sur la situation et sur vous-même. Prenez le temps dans cet exercice d'observer les changements physiques, les émotions qui vous traversent, peut-être différentes. L'éclairage nouveau sur une situation. Peut-être
cette nouvelle lumière qui s'installe, cette nouvelle vision vous aide à mettre de l'amour sur vos plaies, à prendre confiance dans votre histoire, à l'accepter pleinement. Que ce soit le cas ou non, nous allons essayer d'induire ça dans vos cellules. Avec l'exercice suivant, prenez le temps d'inspirer pleinement et de ressentir une lumière dorée. Légèrement sous le nombril. Qui remonte jusqu'au milieu du ventre, entre l'espace du cœur et le nombril. Cette grande lumière dorée tourne en vous, elle porte l'énergie de la confiance en soi, du pouvoir créateur, de l'amour de soi, de l'estime de soi. Et à mesure qu'elle tourne dans cet espace du buste, elle se charge. Elle devient de plus en plus puissante et de plus en plus belle, de plus en plus rayonnante et lumineuse. Vous ressentez cette énergie de confiance et d'estime qui gravite autour du ventre, puis qui grandit au fur et à mesure de vos inspires, de vos expirations, qui vous remplit comme une colonne de lumière qui vient vous traverser, remplir toutes vos cellules, tout votre corps, chaque tissu, chaque os, chaque muscle, chaque tendon. Qui vient remplir tout votre être. Et qui infuse dans chacune de vos cellules. Qui vient y laisser sa trace d'amour. Cette énergie n'est pas extérieure à vous, elle est en vous. C'est votre propre capacité à vous aimer, à avoir confiance en vous qui se développe, qui grandit. Le processus d'alchimisation de notre plomb, de ce qui nous plombait en or lors de la confiance en soi, de l'estime de soi, est en train d'opérer. Observez les sensations physiques, les sentiments, les émotions que cela déclenche chez vous, les pensées que cela déclenche ici et maintenant. Laissez vos peurs s'évanouir et tout votre potentiel se révéler.
puis ici, vous pourrez poser une intention pour ce renouveau. Vers quoi décidez-vous d'aller? Posez votre intention, qui doit être positive, au présent, et que vous pourrez vous répéter plusieurs fois jusqu'à la fin de cette relaxation. Puis plusieurs fois dans la journée. Tranquillement ici, vous pourrez recommencer à bouger. Bouger peut-être le bout des doigts, des orteils, faire des cercles avec les chevilles, les poignets. Tranquillement, doucement, prendre le temps de rouvrir les yeux, de vous réhabituer à la lumière. Et ainsi terminer dans la douceur ce temps de relaxation. Je vous invite, dans les jours prochains, à revenir faire cette relaxation de manière à bien ancrer dans votre corps tout le travail que l'on a fait aujourd'hui, que l'on vient de faire ensemble. N'hésitez pas à écrire ce qui vous est venu, les images, les sensations, et à observer à chaque nouvelle relaxation les nouvelles images, les nouvelles informations que votre corps, votre mental ou votre âme a pu vous délivrer. Merci pour ce temps partagé. Namasté.